Salut tout le monde, c'est Nidomi. Aujourd'hui on se retrouve dans Mario Luigi Voyage au Centre Bowser épisode numéro 2. Et donc dans le dernier épisode, on avait découvert que Krakowitz est de retour. Donc ce personnage en forme de poêle ou verre, elle a l'air un petit peu scientifique et qui se la pète, est de retour car c'était l'acolyte de Greg et Mona dans Superstar Saga. Et on l'avait revu dans Partners in Time en tant que vendeur de badges. Et justement avec ses badges il a dû se faire du fric. Et il est de retour pour assouvir le royaume champignon. Et donc pour commencer son plan, eh ben, il nous a enfermé dans le corps de Bowser pour écarter cette menace que nous sommes. Puis Bowser il pense que c'est un peu un caca donc il s'en fiche un peu pas mal. Et tout d'abord ce qu'il va falloir qu'on fasse c'est qu'on retrouve nos alliés. On va y aller. Non, je veux pas sauvegarder. Ah, lâche-moi. Mais, tu vas me lâcher, oui. Dis donc. Ce ne sont pas des manières de traiter une demoiselle. Eh, non, pas là. Hein ? Arrête. Ça suffit. Bing bing. Je suis un Emoblau. Bing errant, venu partager son savoir. Parfois, vous pouvez entrer dans ces tuyaux organiques en appuyant sur bas. Il y en a qui vous propulsent en l'air et d'autres qui vous conduisent à d'autres endroits. Si vous trouvez un tuyau organique, montez dessus, appuyez sur bas. Bing bing. Adieu Bing. Mais c'est dégueulasse. Quand on est dans un vieux hentai. Ah. Ah. Ça me rappelle le live quand on parlait de tentacules. Bon, pour l'instant, on va aller dans ces tuyaux. Il y en a qu'un, alors. C'est forcément la solution. Voilà, ça va ouvrir celui de gauche. Ensuite, probablement, ça va ouvrir celui du milieu. Je ne sais pas que c'était une fille, l'esprit de l'étoile. Elle s'appelle Étoile d'Or, un truc du genre. Au départ, j'ai hésité à lui donner une voix de fille, mais non, mais non, mais non, mais non. You! Merci Mario. Attention, il arrive. Let's go. Non, tu crois? Did you say? Ben, easy, on connaît le combat. Elle veut nous apprendre d'autres trucs. Mario. En regardant ce monstre attaquer, je me suis rendu compte de quelque chose. Tu devrais pouvoir contre-attaquer face à ces assauts. Je t'explique comment? Non. Oui, ça ne devrait pas te poser de problème, Mario. Mais laisse-moi te parler de ce nombre qui apparaît à côté du cœur. On appelle ça des PV, ils représentent ta vitalité. Chaque fois que tu subis une attaque d'un monstre, ce nombre diminue. Lorsque tes PV tombent à zéro, tu t'évanouis et tu ne peux plus combattre. Si tes PV sont bas, sélectionne le bloc de commande objet. Parmi tes objets se trouvent des champignons qui resteront tes PV. Utilise-les. Attention, il arrive. Ça sent la grosse Navi. La grosse Navi. La grosse fée chiante. Ah oui, j'oubliais. Tu peux aussi fuir pendant un combat. Tu veux fuir, sélectionne le bloc de commande fuite. Mais pendant que tu fuis, tu perds des pièces petit à petit. Ne le fais pas trop souvent. En appuyant plusieurs fois sur A, tu peux fuir plus vite. Ne l'oublie pas. Merci de m'avoir sauvé, Mario. Oui? Nous devons être dans le corps de Bowser. Après avoir été avalé par Bowser, j'y irai un moment. Avant de me faire attraper par cette espèce d'amibe. Comment? Où sont les autres? J'en ai aucune idée. Quand j'ai repris connaissance, après avoir été avalé par Bowser, j'étais dans son corps. Je pense que les autres aussi doivent être quelque part. Mais je ne sais pas où exactement.
Mais c'est le corps de Bowser. Peut-être que comme moi, à l'instant, ils se trouvent dans des situations délicates. Il faut vite les retrouver avant qu'il ne leur arrive quelque chose. Oui, tu as raison. Allons voir plus loin, nous trouverons peut-être quelqu'un. Oh là là. Italien Mario. Allons trouver nos amis. Donc, ce gameplay 2D, déjà, c'est assez plaisant quand même. Je vais vous parler un petit peu peut-être de là. C'est quoi ça? C'est pour sauvegarder? Non. Alors, les vidéos, comment ça se déroulera? Ça sera des vidéos de 20 minutes, 3-4 fois par semaine. Et puis, je crois que c'est tout, hein. Donc, je serai actif sur vos commentaires, en tout cas. Voilà, on va XP un petit peu en début d'aventure. On va pas faire la même erreur qu'on avait fait dans les frères du temps. Il faut XP, c'est important. D'ailleurs, j'annonce déjà que dans ce jeu, il y a deux fins. Enfin, il y a trois fins. Vous avez la fin de base, une fin spéciale et une autre fin spéciale. Alors en fait, si vous terminez le jeu au niveau à un niveau inférieur à 17, vous avez une cinématique spéciale. Si vous le terminez à un niveau supérieur à 40, vous avez une cinématique spéciale. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va le terminer à un niveau supérieur à 40. Parce que 17, je vois pas trop comment faire. Et puis on risquait de se faire défoncer par le boss. Et puis ben, je vous mettrai les autres cinématiques possibles, bien sûr. Voilà, est-ce qu'il y a encore des ennemis? Bah c'est des Goombas en forme de... Ils sont pas fait chier, hein. C'est des... Ah bah oui, Goomba Riot, comme Cariot. Ah là là, apprenons la biologie avec Mario Luigi. Apprenons l'italien aussi. Vraiment c'est très plaisant ce système de double saut. Et là ben on a un petit drapeau bien sympa qui nous montre quand on va monter de level. Passons mon tuyau. À qui es-tu toi? Je suis un hémoglobine au grand cœur. Je peux soigner vos blessures et soulager votre fatigue. Voulez-vous que je vous soigne? Ah bah oui, bien sûr. Très bien, placez-vous en dessous de moi. C'est un bloqueur, quoi. PV et PS restaurés au maximum. Revenez quand vous voulez. Ce qu'il faut savoir dans ce jeu, c'est que... y a... Le retour des PS... Enfin, les PS, c'est les points spéciaux. Dans Mario Superstar Saga, c'était les points frères. Et dans Partners in Time, eh bien, il n'y en avait pas. Donc ça, c'est vraiment... J'aime bien, j'aime vraiment cet écran de... D'après-match, on peut vraiment voir quand on va monter de niveau. Et se faire une idée quand on est en train d'XP au lieu d'aller dans le menu. It's me, Mike. Ah là là. X-Bons en cœur. Dans la joie et la bonne humeur. Ah, j'espère qu'on trouvera bientôt Luigi parce qu'on sent un peu seul là. Tu-tu-tu-tu-tu. Champignon. Oh Luigi déjà. Oh. Il se fait aspirer le crâne par une grosse sangsue dégueulasse. Et dis donc à quoi tu joues? Enfin. Mario, aide-le. Saute pour t'accrocher à lui et le tirer. Ok. Wouhou! Mon frère, tu es vivant. Tu m'as beaucoup manqué. Luigi. Yeah. Mario. Oh. Mario, saute pour l'écraser. Boum. Et voilà, on a une initiative. Quand vous sautez sur un monstre avant d'entamer le combat, tous les monstres subissent des dégâts dès le début, ça vous donne un avantage. Waouh. Maintenant que vous êtes deux, on se sent plus en sécurité. Au fait, Luigi, tu te souviens comment tu attaques? Toi, tu attaques avec B. Merci, laisse-moi répondre. Pour Mario, c'est A et pour Luigi, c'est B, ne vous trompez pas. Mais c'est easy, ce jeu. Ah voilà, et maintenant faut faire attention parce que ils attaquent plus forcément Mario. Mais on va essayer de pas faire
de bit. Oh, une minute. J'ai compris comment attaquer ce monstre. Si je vous explique. Non. Ah bon. Ah. J'oubliais Luigi. Pour te défendre, tu dois utiliser aussi B. Pour attaquer, contre-attaquer ou utiliser d'objets, c'est aussi B. Ne te trompe pas. Non, mais il le traite comme un bébé. C'est pas croyable. Allez, on les tue tous. On va pas y passer 10 ans. C'est 3 Goombas. Ah, j'ai toujours ce réflexe d'appuyer sur les deux boutons, mais c'est pas drôle. Alors on va plus le faire. Et voilà. Bon bah Luigi sera en retard un peu. Yeah. Bon, faites pas gaffe à la couleur des tuyaux. Ok. Phew. Il y a des monstres qui vivent dans le corps de Bowser. Au fait Luigi, tu n'aurais pas vu la princesse Peach par hasard? Ah bon, tu n'as croisé personne? Visiblement, on va avoir du mal à les trouver. Oh. Ah, j'oubliais. J'ai fait en sorte que vous puissiez consulter le menu étoilé, ça vous sera utile. Depuis le menu étoilé, vous aurez accès à toutes sortes d'informations. Je vous explique? Non. Vous êtes sûr? C'est pour votre bien que je dis ça. Alors je vous explique? Non. D'accord. Si vos PV ont baissé durant le dernier combat, soignez-vous avec des objets. Ah oui. Vous pouvez vérifier où vous êtes avec Select. Je vous explique? Non. Très bien, vous n'avez pas besoin de moi. Si vous êtes perdu, appuyez sur Select pour vérifier où vous êtes. Bon, allons chercher la princesse. Ça m'énerve ça. Tu dis non, ils disent oui. Bon. Select, c'est la carte, tout simplement. Ça se décompose un petit peu comme une carte de Metroid, c'est sympa ça. Castlevania. Donc, en fait, on découvre les salles au fur et à mesure. C'est quelque chose de vraiment sympa par rapport aux anciens Mario Luigi, on avait direct toute la carte. En tout cas, dans Partners in Time, on avait vraiment toute la carte. Alors que Superstar Saga, c'était assez éloigné, donc on voyait pas tout. Ça, c'est vraiment sympa. Et on a le bouton Start. Ben, pour aller au menu, quoi. Objet. Équipement, on en a pas encore. Les informations sur nos personnages qui ont cette fois des rangs. Alors on est orange champignon et ça va augmenter au fur et à mesure de l'aventure. Et sinon on a les mêmes stats. À part qu'on a les points spéciales en plus. Voilà, et sinon la carte. Mais qu'on peut toucher directement avec Select. Et aussi l'argent, tout ça, les PV, etc. Information. Donc oui, la couleur du tuyau elle change tout le temps. Alors il y a beaucoup de points de sauvegarde inutiles je trouve là parce que ça fait genre 5 minutes qu'on se balade, il y a genre 2 points de sauvegarde déjà, 3 même. It was easy, it was easy. C'est le premier monstre, hein, vous en faites pas. Ça va vite se corser, je le sens. Ah et aussi j'ai oublié de vous dire, je vous réciterai peut-être les clins d'œil qui sont faits à d'autres jeux. Dans celui-là il y en a vraiment beaucoup. Je sais pas si je les reverrai tous. Alors, faut augmenter ce qui augmente le plus. Alors, pour ça, il y a une technique. Voilà, on peut faire retour avec B. Et voir, en fait, qu'est-ce qui augmente beaucoup ou pas. Alors, dans ce jeu, hein, il n'y a pas l'air d'avoir des caractéristiques qui augmentent de 6. Peut-être dû au fait que le jeu soit... Comment on appelle ça? Les mêmes... Et les mêmes caractéristiques qu'au Japon. Bah le mieux c'est ça non? Ouais, il y a un 6, yes. Il y a encore des 6, j'ai eu peur. C'est parce que c'est le début hein. Et on est toujours en champignon hein. Ça augmente pas du jour là. Oh là là. Je n'avais plus les doigts sur les touches. Let's go. Okidoki. Ah. Alors pour vous dire mon ressenti sur ce let's play, ça va être cool je le sens. Mais au final, je me dis que ça fait un peu beaucoup de Mario Luigi à la suite. Alors, je vais pas essayer d'en faire trop souvent, vu que ce serait un peu redondant pour moi. Et pour vous aussi. Et puis, peut-être faire quelque chose d'autre à côté, voir. Encore un hémoglobine. Sérieux, ils abusent au niveau des sauvegardes. On est des bébés, mais pas à ce point. Ah.
Bien synchro tous les deux. Je peux vous donner un cours hémoglobinesque? Non. On arrêtera de parler au bowling dorénavant parce que ça sert à rien. Donc voilà. Pour nous apprendre qu'on peut, qu'on doit sauter en même temps et qu'on peut sauter en même temps. Oh, premier élément de gameplay sympa. Petit ascenseur. Eh ben dis donc, on va où là? L'étage d'intestin. Oh, des caisses. Marteau. Il a vraiment inspiré tout un tas de bric-à-brac. Peut-être qu'on trouvera quelque chose d'utile. Cette caisse, on devrait pouvoir la casser. Ouais. Bon, on peut pas la casser comme ça. Va falloir... Alors le jeu est plutôt linéaire, même s'il y a une phase d'énigme. Voilà, un premier bloc spécial, c'est le bloc A. Vous avez trouvé une pièce d'attaque du dépotoir, ça vous en fait une. Il vous reste encore 9 pièces d'attaque dans le dépotoir à trouver. Mais c'est une pièce d'attaque. Bowser avale vraiment n'importe quoi. Vous ignorez ce que c'est? Les pièces d'attaque sont des fragments d'attaque spéciale. Rassemblez les 10 pièces d'une attaque spéciale pour pouvoir l'utiliser. Les attaques spéciales... je vous expliquerai plus tard. S'il y a une pièce d'attaque ici, il doit y en avoir d'autres dans les parages. Cherchons les autres. Voilà, donc ça va nous permettre d'acquérir des pouvoirs en combat. Qui sont les pouvoirs spéciaux, hein, les pouvoirs frères, les pouvoirs objets, tout ça, tout ça. Vous avez trouvé une pièce d'attaque du dépotoir, encore 8. Ça c'est sympa, des fois ça débloque des mécanismes aussi ces blocs, alors faut faire attention. Mais je trouve ça un petit peu nul comme manière de trouver les pouvoirs, il y avait des... C'est sympa, mais bon là au début ils nous les mettent tous au même endroit de toute manière. Mais j'aimais mieux quand il y avait des sortes de petites histoires où on rencontrait des frères qui nous apprenaient leur maîtrise qu'ils ont développé au cours de leur vie en fait. Ok, encore 5. À chaque fois ils font ce bruit là, c'est horrible. C'est horrible, sérieux. Je vais le faire à chaque fois, vous allez voir, vous allez vous marrer. Non, j'arrête, c'est horrible. C'est horrible. Sérieux, c'est horrible. Bon, là, comme c'est la première fois, vraiment, ils sont super gentils, mais je vous dis qu'après, il faudra quand même un peu chercher. Genre les puzzles qui ont pas de quoi. Possible. Voilà, quand on a trouvé assez de pièces, on peut changer de salle. T'es où, Luigi? Luigi, come on, guys. Et là, ça doit être la dernière. Ça vous en fait 10. Vous avez rassemblé toutes les pièces d'attaque du dépotoir. Vous avez obtenu une nouvelle attaque spéciale. Vous avez rassemblé toutes les pièces d'attaque. Vous pouvez utiliser une attaque spéciale. Les attaques spéciales sont des attaques très puissantes. Grâce à elles, vous pouvez prendre l'avantage en combat. Vous avez vu comme ils sont pliés, Mario Luigi. Et voilà, une fois qu'on a trouvé les pièces, on a une attaque. Vous pouvez maintenant utiliser l'attaque Carapace Verte. Et on a une petite démo fait avec. Où on peut la jouer, hein. C'est pas juste une cinématique. Tiens. Qu'est-ce donc? Et regardez. Une fois que vous avez acquis une attaque spéciale, vous pouvez en voir une démonstration et vous entraîner à la réaliser depuis le menu. Si vous regardiez la démo avant de l'utiliser en combat. Bonne idée. On le fera pas tout le temps. Mais c'est vraiment pratique pour voir comment ça se déroule. Voilà, donc c'est comme dans... C'est la même attaque que dans les frères du temps. Et donc on peut passer à la démonstration. Mario shoot la carapace avec A et Luigi avec B. Donc c'est aisé. Et on a de nouveau les OK, super, excellent. Pour nous indiquer si on joue bien et si l'attaque va faire mal. On va pas en faire 10. On la maîtrise déjà, cette attaque. Et on en aura d'autres. Je crois qu'il y en a certaines qui sont pas... Qu'on recevra pas obligatoirement, franchement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10. Ouais, il y en a qu'on recevra pas obligatoirement.
Voilà, ça doit être dans des quêtes annexes. Il y en a dans ce jeu, je crois, ouais. Ça tombe bien. Oh, le jeu. Mario, Luigi, utilisez votre attaque spéciale pour les vaincre. Yeah. C'était sûr que ça tomberait là-haut, c'était sûr. Mario, Luigi. Grâce aux pièces d'attaque que vous avez trouvées, vous pouvez utiliser une attaque spéciale. Ouais, c'est bon. Non. Ah bon. Faites tout de même attention. Je suis trop méchant avec elle. Voilà, donc on a une icône attaque spéciale. Hein. Et les attaques utilisent des points. Et ce ne sont plus des objets comme dans les frères du temps. On revient à la Super Stagamani, même si c'est pas des attaques frères où les deux frères en fait vont interagir entre eux. Et vont faire des acrobaties de feu de dieu. Je suis bête ou quoi? Donc voilà, on peut pas les attaquer par le haut, donc ils nous incitent à utiliser ces carapaces vertes. En fait, ils nous obligent, c'est tout. Yeah. Vous pouvez voir des démonstrations des attaques spéciales et vous y entraîner. Pour cela, il suffit de sélectionner des modes dans le menu toilette à tout moment. Non, c'est vraiment la vie. C'est vraiment la vie. J'ai sous-estimé, mais c'est vraiment la vie. Voilà. On va pouvoir sauvegarder maintenant, je pense. Vous avez trouvé des marteaux. Avec ces marteaux, vous allez pouvoir casser plein de choses. Appuyez sur R pour changer les icônes d'action en marteau. En appuyant sur A, tu peux donner un coup de marteau. Tu devrais pouvoir l'utiliser un peu partout. Essaye tout de suite. Bah non, on va pas essayer, on verra ça la prochaine fois. En tout cas, on aura découvert eh ben, un petit peu comment ça se déroule dans Bowser avec cette carte, tout ça. Même si pour l'instant, c'est pas très développé, vous voyez. Un petit peu le gameplay qui commence à émerger et puis les marteaux qu'on verra la prochaine fois et qu'on connaît en fait déjà. Donc merci d'avoir regardé ce deuxième épisode. J'ai pas encore regardé les commentaires de la première vidéo parce qu'elle est pas sortie, mais je le ferai et puis on va tout simplement se dire à la prochaine. Ciao tout le monde.